Bonjour et bienvenue dans Picotard. Nous sommes aujourd'hui au Musée d'art de Toulon, qui présente actuellement une œuvre intitulée « Monstres ». Cette sculpture, à la fois ludique et inquiétante, est l'œuvre de Niki de Saint-Phal. Artiste inclassable et prolifique, elle s'est d'abord fait connaître dans les années 60 avec sa série de performances. Des tirs à la carabine sur des poches de couleurs, éclaboussant des reliefs faits de monstres. Puis l'artiste intègre le mouvement des nouveaux réalistes et développe une pratique où se côtoient des créatures fantastiques, terrifiantes ou merveilleuses, qui explorent l'ambiguïté de la condition féminine et revisitent les mythes et les légendes. Monstre est un assemblage d'objets trouvés et de jouets en plastique, qui renvoie autant au jeu et à l'innocence qu'à la violence. La figure du monstre fait ici écho à l'univers intérieur de l'artiste. Victime d'inceste, Niki de Saint-Phal trouve en l'art un moyen d'expression des émotions intimes et une forme de catharsis pour se libérer de ses démons familiaux, sociaux et religieux. Mêlant humour, effroi et poésie, les œuvres de Niki de Saint-Phal s'exposent comme une tentative vitale pour dire l'indicible et rendre à l'art son pouvoir imaginaire et salvateur.